Pourquoi tu pousses? C'est bon! Qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en! Bonsoir, va-t'en! Ça brasse, ça hyperventile. Robert, on dit bonjour à Robert! Bonjour, Robert! Tu me suis-tu, Serge, ou ça va aller? Tu me suis? Alphonse, vous avez été formidable. Tout ça. Viens dans ce poté un solide. J'appelle Roger! Ça me fait de la peine, Roger, parce que... On va faire des jokes sur vous jusqu'à temps que ce soit plus drôle. Ça vous tente-tu? Hey! Ça, ça s'appelle un écouilleur. On tourne, m'amuser un petit peu, là. Vous êtes pas les premiers petits baveux qui vont se faire clencher ici dedans, là. Pense-y, Roger. Il doit certainement y avoir quelque chose qu'on peut faire pour toi. On peut balayer ta garnotte, tondre ta pelouse. Oui, c'est ça. On va être tes esclaves. On va aller à ton snack bar, puis on va écœurer tout le monde avec qui tu travailles. Le petit fraîcher qui passe à moi, puis on va le clencher, je l'haïs. C'est ça. On va t'enseigner comment être drôle. Tu vas être la vedette dans Sopic. La vedette. La vedette. Danse au pic. Toi, tu vas rire. Un classique en comédie, c'est l'autodérision. Quand tu ris de tes propres défauts. Ben oui, ris de moi, Carl. De toute façon, je fais honte à la communauté des vieux garçons frustrés. Je transpire la nullité. My God! Roger, dis plus d'affaires de même. J'ai fait un fou de moi! J'en viens pas pire avec le timing. Non. Chaque joke a comme sa petite musique. Cherche une personnalité Dan Van de garage! Ma femme m'arrête pas de dire que ma plus grande qualité, c'est qu'on peut pas m'aimer. C'est pour ça que moi, je t'haïs. Si vous laisse partir, c'est sûr que vous allez avertir la police. Ah, mais non. Pourquoi est-ce que... Mais non, on ferait pas ça.